Partout, il y a des lieux que l'on voit. Des lieux qui nous font rêver. Et il y a ceux que l'on ne voit pas. Ceux dont on n'aurait jamais rêvé. Tout comme ces lieux, il y a des gens, des esprits que l'on ne voit pas. Qui pourtant sont bien présents, là, partout, à côté de nous. Il y a des signes auxquels on ne porte pas attention. Ces signes sont ceux de ces personnes qui veulent attirer notre attention. Il n'y a pas de coïncidence. Chaque fait de la vie a un sens. Et c'est en ouvrant nos propres sens que nous partons à leur reconnaissance. Bonsoir à tous. Donc on se retrouve ce soir dans ce magnifique salon. Donc on voit encore les peintures d'époque sur les murs et au plafond. On est dans un château qui date du début du XIe siècle. Donc on espère que ça va porter ses fruits ce soir. Là je suis avec Kevin qui est venu prendre quelques photos pour nous. C'est ça, voilà, il y a Manu derrière la caméra. Et ce soir on sera accompagné d'une nouvelle partenaire. Donc on vous en dira un peu plus sur elle un peu plus tard. Elle a je pense quelques dons, donc on va essayer de les exploiter. Voilà. Après pour ce qui est du matos, mais on a investi dans un pod qui est juste derrière moi. Voilà, un pod de chez Spirit Shop. Donc franchement, on l'a pas encore testé, mais en termes de rapport qualité-prix, ça a l'air très 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 bien. C'est bien fini et tout, plutôt pas mal, des grosses diodes et tout ça, donc j'espère que ça va être pas mal. Voilà, donc on a été faire un peu le tour du bâtiment, on a eu quelques résultats sur le K2 déjà dans une pièce ou deux, on va exploiter ça un peu plus ce soir, puis bien sûr il y aura la SLS, les baguettes, et puis je pense qu'on va faire une petite séance de Ouija aussi ce soir. On a des pièces vraiment magnifiques qui s'y prêtent, donc on va tester ça ce soir, voilà. Donc on se retrouve au cours de l'enquête. Donc nous voilà partis pour une petite visite d'avant-enquête. Donc il y a notre nouvelle partenaire Anne qui est partie un peu plus loin, voir si elle ressentait des choses. Donc on va la suivre, on va faire le tour avec elle, avec le K2 et le metteur. Puis on va voir ce qui se passe. Lors de l'analyse post-montage, nous entendons ce PVE sur le micro de la caméra. Nous interprétons le mot « changer ». Nous pensons qu'il s'agit peut-être d'une entité qui souhaite que nous changions de pièce. Y aurait-il un rapport avec le bruit que nous allons entendre dans la pièce suivante? Au départ, je pense à un craquement de bois, mais après écoute au ralenti, cela n'a rien à voir. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en plus.
C'était quoi? Je sais pas, c'est quoi? T'entendais rentrer, il y a eu un bruit juste là dans le coin. Ouais, mais ça craque pas mal, je sais pas. Une petite bête, peut-être. Ouais, tu vois, ça craque. On verra bien. Là, j'ai des frissons, là, putain. Moi, je te dis qu'on n'est pas seul. Oh, pardon. Attention, tu mets les pieds. T'as une pièce qui t'attire ou pas, tu me dis? Ah, c'est les chambres de bonne. Comme d'habitude, nous attendons la deuxième partie de soirée pour débuter notre enquête. En attendant, je décide de montrer à Anne le fonctionnement de la caméra SLS. C'est à partir de là que tout a basculé. Effectivement, à peine la caméra SLS allumée, les premières entités se montrent. Nous allons donc débuter l'enquête plus tôt que prévu. Bonsoir à tous, voilà, début d'enquête un peu particulier. En fait, on ne voulait pas attaquer si tôt. On a attaqué à filmer parce qu'en fait, on montrait un petit peu le matériel à Anne et on expliquait le fonctionnement de la caméra SLS. On a pu apercevoir une voire deux entités. Donc voilà, on a continué un peu avec la SLS, on les a vus à plusieurs reprises. Donc voilà, début d'enquête un peu particulier. Donc là, je vais tenter une séance de baguette. On a fixé la SLS. Toujours une présence sur une petite chaise, peut-être un enfant, c'est vraiment une petite chaise. Et voilà, on va essayer de rentrer en contact. Donc ça commence plutôt bien, j'espère que ça va continuer comme ça. Donc voilà, on va faire une petite séance de baguette. Donc vous verrez que c'est un peu particulier le début de l'enquête parce que on ne voulait pas la lancer tout de suite en fait. Voilà. Donc je m'adresse aux entités qui sont présentes ici. On va essayer de rentrer en contact avec les baguettes que j'ai dans les mains. Donc on a fait un essai déjà en fin de journée tout à l'heure, donc je sais pas si c'est les mêmes entités qui sont avec nous. Donc le principe est simple, je vais vous poser des questions. Et pour répondre par oui, il faudra faire tourner la baguette qui est dans ma main droite vers la droite. Et pour répondre non, la baguette de gauche vers la gauche. Voilà. Si jamais vous ne voulez pas répondre à la question, si ça vous dérange, vous faites croiser les baguettes. Voilà. J'espère que vous avez compris qu'on n'était pas là pour vous faire du mal et que vous allez rentrer en contact avec nous. Donc la première question, est-ce qu'il y a plusieurs entités présentes avec nous dans cette pièce? Répondez-moi s'il vous plaît à l'aide des baguettes. Oui à droite, non à gauche. Allez-y, puisez l'énergie dans tous les appareils électroniques. Répondez-moi à l'aide des baguettes, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a plusieurs entités avec nous ici? Vous voyez peut-être que si vous ne voulez pas répondre à la question, vous pouvez faire croiser les baguettes. Est-ce qu'il y a des enfants avec nous ici? Répondez-moi, s'il vous plaît. Oui à droite, non à gauche. Il y a des enfants ici. Un joli nom. Merci. Est-ce que vous pouvez replacer la baguette au centre, s'il vous plaît? Allez-y. Replacer la baguette au centre pour que je vous pose une autre question. Allez-y, replacez la baguette au centre, s'il vous plaît. Ça va attaquer à bouger, non?
Allez-y, continuez, c'est bien. Allez-y, encore un peu, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous êtes plusieurs ici avec nous? Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes plusieurs avec nous? Dans cette pièce ou dans ce château, est-ce que vous êtes plusieurs entités présentes? Oui, à droite, non, à gauche. Est-ce qu'on vous gêne? Est-ce que notre présence vous gêne? Répondez à l'aide des baguettes, s'il vous plaît. Pas mal déjà. Merci. Je vais replacer les baguettes au centre moi-même. Ça va vous économiser un peu d'effort. Je vous répète qu'on ne vient pas là pour vous faire du mal. Est-ce que vous voulez nous aider à comprendre? À comprendre qui vous êtes, comment ça se passe après la mort, pourquoi vous êtes encore là. Répondez-moi à l'aide des baguettes. Est-ce que vous voulez nous aider? Ah oui, là, non? Merci bien. Je vais remettre la baguette au centre. C'est connecté, ça continue. Oh, ça fait ce goût là-bas. Est-ce qu'il y a une famille qui habite ici? Répondez-moi à l'aide des baguettes, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une famille présente ici?
Merci. Est-ce que vous avez été propriétaire des lieux à une époque? Oui, à droite, non, à gauche. Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez été propriétaire des lieux à une époque? Merci. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes resté dans ces lieux? Vous êtes attaché à ces lieux? Répondez-moi, s'il vous plaît. C'est possible. Non, c'est que je la vois un peu vibrer, c'est pour ça. Ouais, mais t'as oui. C'est les gemmes. Y est. Très bien, merci. Est-ce que. Lorsque vous êtes décédé, je suppose que vous êtes décédé dans ces lieux. Est-ce que vous avez eu le choix de rester ici ou de rejoindre l'au-delà? Est-ce que ça a été un choix qu'il a fallu faire? Répondez-moi à la débaguette, s'il vous plaît. Merci. Donc c'est un choix qu'il a fallu faire. Comme ce qu'on a pu voir et entendre ailleurs. Ouais. Ça concorde bien avec tout ce qu'on a pu entendre. Comment il voyait le monde? Est-ce que vous arrivez à nous voir? Nous, on ne peut pas vous voir, à part avec certains appareils, mais sinon on ne peut pas vous voir. Est-ce que vous arrivez à nous voir? Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez un ou plusieurs messages à nous faire entendre, ou à faire entendre à quelqu'un par votre biais? Répondez-moi à l'aide des baguettes, s'il vous plaît. Est-ce que vous voudriez vous adresser à quelqu'un, faire passer un message? La séance de baguettes aura apporté de très bons résultats. Ce qui nous laisse penser que des entités sont bel et bien présentes. Même si l'on ne peut rien affirmer de paranormal, les différents phénomènes restent troublants. Donc là, avant de changer de pièce et d'aller se balader un peu dans tout le château, on va essayer une petite séance de spirit box, voir ce que ça donne. Donc voilà, on est de retour. Donc je m'adresse aux entités.
On va essayer de rentrer en contact par un autre moyen. Je vais allumer un appareil qui va générer des bruits blancs. Et à travers ces appareils, vous pourrez rentrer en contact avec nous. Donc, prenez votre temps, essayez d'être le plus clair possible. Puis on va voir si on arrive à rentrer en contact ensemble de cette façon. Voilà, séance de Spirit Box, c'est parti. Donc, est-ce qu'il y a encore des entités présentes avec nous ici? Répondez par oui ou non, s'il vous plaît. Répondez à travers l'appareil qui fait du bruit. Allez-y. Fini. T'as bien coupé le portable. Et l'autre à côté? Est-ce que vous êtes encore avec nous? Répondez par oui ou non, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire en particulier? Particulier. Que vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Moi, ça varie. Ouais. 16-4, 16-1, 16-3-2, 16-4. J'ai pas compris, mais. Non, c'est faible. Ah, pareil, oui. Encore là, non? Un petit peu. On va aller se promener un peu dans les couloirs et dans les étages parce que les résultats commencent à se faire un peu faibles ici. Donc on va se balader avec les SLS, voir si on aperçoit quelque chose et essayer d'exploiter d'autres pistes. Il y a quelqu'un à cet étage avec nous. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Tapez sur un mur, tapez sur une porte. Faites du bruit. Pose le pote sur un lit. Sur un lit? Oui, je pense. Il y a quelqu'un avec vous là, répondez-moi dans l'appareil s'il vous plaît. Manifeste. Ouais. Et si vous voulez qu'on s'en aille, dites-le-moi en plus. Allez-y. Ce sont les enfants de cette maison, retournez-moi s'il vous plaît. Ça va? Est-ce
C'est quoi? Elle était à l'étage là-haut. Ouais. Où est-ce que vous vous cachez? Et pourquoi vous vous cachez? Allez-y, venez à côté de moi. N'ayez pas peur, je peux pas vous voir. Pose le pote dans le couloir derrière toi, non? Il va rester là-dedans. Il s'embrasse. Ouais. Ouais, il me semble aussi. Deux pas lourds. Ouais, ouais. Je t'ai vu avancer vite. Ouais. Et j'ai eu peur. Vas-y. Allez, faites un effort. Venez à côté de moi, touchez les appareils que j'ai dans la... C'est quoi le bruit? Je sais pas, j'entends un bruit, mais quoi? Un rumeur? T'entends un bruit? C'est quoi? Je sais pas. Est-ce que c'est pas le vent, tu sais, avec tous les courants d'air qui sont là? Vas-y, fais-le, ça. Et lui, tu le laisses un peu mieux? Écoute. Là, c'est dehors, je pense. C'est le vent, hein, qui fait. Il a soufflé. On entend bien, chaque bourrasque qu'on entend, il y a le bruit, donc. Et les gars, si je rêve pas, il y en a un devant vous. C'est vrai? Ouais. Mais pas le. Tu l'as vu? Ouais. Moi, j'ai pas filmé, par contre. Le cadeau, c'est que c'est. J'ai un flash au cadeau. Il y en a un juste là à tes pieds, Manu. Tu peux pas t'avancer que je puisse voir le cadeau au cas où? Moi je suis en frisson là. Allez-y, rapprochez-vous encore comme vous avez fait. Vous avez vu, ça a allumé une petite lumière verte sur l'appareil là. Touchez les appareils que j'ai dans la main. Que je tiens ici. Vous risquez rien. C'est au moment où elle dit ça, j'ai la diode qui s'allume. Il y a toujours quelque chose? Ah oui, c'est là. Hein. Ça lève la main. Trop bon. Ah ouais? Tu lèves, il lève. Allez-y, touchez. C'est pas lui au moins, tu vois. A disparu. Oh merde. Disparu à l'instant. Allez-y, revenez. Il est arrivé dans sa pièce. Ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que vous êtes
dans cette pièce, dans cette chambre, que c'est le cas de toucher l'appareil que j'ai dans la main. C'est quoi ? On vient ce soir, c'est votre chance de faire passer un message. Sur le fauteuil derrière. Lequel ? C'est parti. Je vous dis, c'est vraiment une chance pour vous aussi de pouvoir communiquer avec notre monde et de faire passer les messages que vous avez envie de faire passer. Bienvenue. Sur le siège à sa droite ? Celui-là. Celui-là là ? C'est inversé. Non, je sais pas. C'est inversé. Tu vois de quel côté toi ? De ce côté. Donc, c'est celui-là. C'est celui-là. Je cherchais la lampe, je la vois toujours pas. Allez-y, touchez les appareils là que j'ai posés sur le fauteuil. Ça y est encore ? Oui, oui. C'est parti. Utilisez le moyen le plus simple pour vous de vous faire part de votre présence, mais faites-le. Utilisez l'énergie dans tous les appareils électriques, dans la lumière. Allez-y, tapez sur le mur, faites du bruit. Bon, mais c'est très très calme. C'est très très calme, on n'a rien à la SLS. On a eu une petite réaction tout à l'heure, mais SLS et K2 dans le couloir. Ça nous a dit qu'il n'y avait pas d'enfants ici, mais moi je pense qu'il y en a et que ça essaie de les protéger. Il faut savoir que ouais, le château il date du début 11e, donc... Là, on est vraiment dans des mentalités et tout qui sont très très éloignées des nôtres à l'heure actuelle. Donc, je pense que les entités qu'on a vues comprennent pas bien ce qui se passe, à mon avis. Mais c'est mon ressenti. Mais... Ouais. Vous pouvez redescendre en bas. Mmh. Ouais, tant qu'à faire. Ouais. On va voir l'adresse. Parce qu'il me semble. Si ça veut revenir en bas. C'est ainsi que s'achève cette enquête. Persuadé que nous n'étions pas seuls dans ce château, mais que les entités présentes étaient surprises, voire effrayées, plutôt qu'attirées par notre présence. Certaines personnes sont apeurées à l'idée qu'il puisse y avoir un monde de l'au-delà. Et au-delà de ça, la peur les pousse dans un autre monde.